Bonsoir tout le monde, je suis content avec nous aujourd'hui, ou bien bonjour tout pour nous parler musique. Et il y a deux artistes, deux jeunes artistes, qui depuis quelque temps et ont une rivalité et qui apparemment existait entre eux. Et il y a toute qualité de rivalité, ces jours-ci, qui est à la base de conversation. Moi-même, il y a une rivalité entre deux artistes et première considération pendant les musicales. Et artistique, c'est aspect ça qui intéresse l'artiste. Ça y a produit, ça y a porté pour nous. Donc, on a parlé de Cadillac, on a parlé de Woody Woodboy. De monsieur ça a sorti, de chaque sorte de musique, Woody Woodboy est sorti douce pour douce, Cadillac sorti pour Timounio. On a essayé d'analyser deux musiques ça. Faut me dire que musicalement parlant, l'aspect musique là, c'est de musique à la rigueur qui ordinaire. C'est de bagaille que nous habitués tant déjà. C'est pas de musique qui parle demander de grandes réflexions pour comprendre forme d'arrangement. C'est de arrangement qui droite ou capable de dire qui très linéaire, pas de trop changement, pas de trop mouvance, souvent qui fait un dedans arrangement. Ça veut dire que c'est même ligne qui mène la musique là du début jusqu'à la fin. Donc pas gagné de oser là-dedans. Mais c'est de musique comme si qui simple et puis qui a de mélodies qui catchy comme si qui capabilité la tête nous vite. Donc musicalement parlant, j'aime dire pas de grande envolée qu'on est capable de faire en termes d'analyse ou qu'a peut-être dit peut-être en termes de sonorité, il y a deux trois petites nuances tant qu'on la tête musique Cadillac là, tant qu'on petit saxophone qui passait, elles ont grandes amézola. Donc c'est surtout en termes de sonorité et puis avec deux nuances qui est très subtil, qui pas énormément présent. Ça veut dire, vous sentez que souci pour tous les deux artistes, c'était message que y a porté ou bien c'est écriture. Donc c'est sous écriture peut-être que nous allons arrêter plus. On va commencer par 12 pour 12 de Woody Woodboy. 12 pour 12 de Woody Woodboy sont écritures qui gagnent un pile poésie là-dedans. Et c'est de la bonne poésie. Il écrit en deux parties. Première partie, il fait essentiellement avec... Sam Capabrele. Première partie, il est fait avec deux rimes croisées. Avec deux parties dans la première partie. Il y a une rime croisée et une rime plate dans la première partie. Il y a deux rimes croisées qui, avec sonorité, avec note finale qui finit en ou. Ou en ou avec un. Et puis, il finit en a avec e. Avec e, pour être plus précis. Deuxième partie, elle est écrite en rime plate essentiellement, c'est E avec A. Ok? Après ça, on est capable de dire que son texte qui vient en pile côté caché là-dedans. Ça veut dire que un petit monde ne doit pas comprendre ce qu'a dit le texte là. Un petit monde ne doit pas comprendre ce qu'a dit le texte là. Et il y a un pile métaphore, il y a un pile proverbe haïtien là-dedans qui mettait en évidence qualité écriture. Donc c'est de la bonne écriture, il y a un pile poésie là-dedans. Mais en termes de contenu, son texte ouvré qui fait réflexion, qui porte nos souvenirs à tout simplement de l'intérêt qui est basé sur sexualité. Ça veut dire que cette description ou acte sexuel pratiquement qu'il a fait en dedans musique ça avec un pile métaphore. Pensez que c'est ça le côté intéressant du texte, c'est qu'il a parlé de bagailles qui osaient, mais il n'est pas fait de façon choquante, il n'est pas agressif pour un petit monde pas d'attendre, par exemple. Seul mot que je trouvais qui de trop dans le texte, c'est backchat là. Je trouvais que M. TK retire les particules du backchat là. Tout simplement parce que y a un petit monde qui a chanté la musique là. Et je pense que Woody Woodboy, tant qu'un artiste qui représente la jeunesse là, et petit monde a peut-être de l'empile, parce que le type de mélodie Woody Woodboy, le type d'arrangement, c'est de bagages qui interpellent un pile petit monde qui a grandi la génération ça. Donc, je ne sais pas quoi l'intéressant pour dans la carrière de tout le monde 10 ans et qui a parlé de Bakchat. Donc, nous devons que Bakchat là de trop, tout simplement, la texte ça. Mais à part ça, côté poésie, c'est du très bon travail. Et puis, côté musique, j'aime dire, ce n'est pas une grande musique, mais c'est de la musique qui prend le marché. Parce que ces jours-ci, plus c'est facile, plus ça marche. Pour y en aller, le Cadillac. Cadillac qui même vient traiter au sujet qui est beaucoup plus sérieux. Au sujet, on est capable de dire, qui pratiquement la quotidienne. Garçon à femme qui marié et qui pas entendu de mariage, mais qui choisit pour cacher, sauver les désaccords, tout simplement pour sauver ou bien pour préserver, sauver l'équilibre de Timonio.
Donc, son sujet qui traitait de façon très simple. Je ne peux pas parler de forme poétique. Ça veut dire selon un langage carrément ordinaire, à part que message-là, M. Potel, avec énormément de clarté, message-là clair, il atterrit. N'importe qui qui tendait à comprendre de qui ça a parlé. Donc, nous avons dit que le côté génial, Léon Nègre, une musique de 3 minutes, arrive à raconter une histoire pour le sortir dans le commencement, pour le mener à la fin. Mais j'aime dire, écriture Kadilak là, pas de trop de poésie là-dedans. Li bien écrit parce que le poté message là, mais pas de réflexion artistique de haut niveau, pas de réflexion poétique en d'un texte Kadilak là. C'est même bagarre la côté musique, c'est une musique qui est catchy, qui est facile, que n'importe monde, n'importe jeune après mail par rapport si vous voulez, à forme mélodieuse, par rapport si vous voulez, à sonorité, par rapport à arrangement. Donc, c'est du bon travail pour tous les deux. Nous souhaitons bonne chance. Fanatique Cadillac, fanatique Woody Woodboy, pas de gros concurrence. Tous les deux, monsieur, au fond, bonne note. Nous-mêmes, nous avons choisi ça, nous pire mère. Kembe la palagé, Pipo Seloui, analyse de texte, analyse musique. Nous avons fait ça de temps en temps. Chaque fois, il y a de nouvelles musiques qui sortent. À bientôt.